Bienvenue à tous et à toutes à ce premier numéro de série de tables rondes qui seront organisées durant toute l'année par Wati dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour ce numéro qui nous réunit aujourd'hui, il porte sur le thème « Les conditions et le respect des droits humains dans les lieux de détention. Quelle réforme en Afrique de l'Ouest ?» Alors, pour en parler, nous aurons trois panélistes et un invité, en la personne de M. Émile Zerbo, M. Gilles Kokou Fafadi Anani, Mme Megan Lauren Sedebo et enfin Ignace Sossou. Pour les présentations de nos panélistes, ma collègue Marem va s'en charger. Cela dit étant, je voudrais juste rappeler un peu le contexte de ce webinaire. En effet, dans le contexte de la crise sanitaire, provoquée par la COVID-19, la question des personnes vivant dans des espaces exigus ou confinés à l'instar des détenus s'est posée avec beaucoup d'acuité en Afrique. En effet, la situation des personnes en conflit avec la loi qui séjournent dans les centres de détention demeure préoccupante dans beaucoup de pays africains, parmi lesquels ceux de l'Afrique de l'Ouest. Le premier constat que l'on peut faire à ce titre est celui d'une surpopulation carcérale. Le nombre de personnes détenues dépasse largement la capacité d'accueil des centres de détention. Un tour d'horizon sur quelques pays ouest africains permet d'y voir un peu plus clair. En Côte d'Ivoire, par exemple, le taux de surpopulation carcérale avait atteint 266% en août 2019, selon le rapport pour l'année considérée de l'Observatoire des lieux de détention de la Côte d'Ivoire. Au Niger, la surpopulation carcérale est estimée à 9353 détenus, dont plus de 53% en détention provisoire, c'est-à-dire en attente d'être jugé. Au Burkina Faso, la situation des centres de détention est exacerbée par la lutte contre le terrorisme qui conduit à de nombreuses arrestations et détentions préventives. En 2018, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou renfermait 2540 détenus pour une capacité de 600 places. Au Togo, la population carcérale sur l'ensemble des centres de détention s'élevait à 5341 détenus au 31 janvier 2020, selon le rapport trimestriel de janvier-mars 2020 du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Au Sénégal, les prisons étaient surpeuplées de 11 547 détenus en 2019 pour une capacité initiale de 4 424. Il est clair qu'au regard de ces chiffres, nous sommes en présence de surpopulation carcérale. Cependant, d'aucuns évoquent la pratique judiciaire pour parler de surincarcération. Pour les personnes en attente d'être jugées, on retrouve dans les pays considérés une disposition du Code de procédure pénale qui consacre la détention préventive comme une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps et la liberté comme étant la règle, ce qui donne au procureur de la République et au juge d'instruction de potentiels pouvoirs dans le désengorgement des prisons, en limitant le recours abusif à la détention préventive, en mettant fin aux longues détentions et en refusant les arrestations arbitraires. Relativement aux personnes jugées et condamnées, les peines alternatives à l'incarcération, telles que le travail d'intérêt général qui pourrait être un palliatif à la surpopulation carcérale, bien que prévues par la législation pénale dans bien des États considérés, sont rarement prononcées. Il en est de même de la libération conditionnelle qui est très rarement accordée aux détenus. Certains États ont mené des réformes qui pourraient aider à désengorger les prisons si les juges venaient à recourir aux outils mis en place. Il en est ainsi du Sénégal où les modifications du Code de procédure pénale adoptées le 29 juin 2020 introduisent l'assignation à résidence avec surveillance électronique comme une alternative à la détention provisoire et le placement sous surveillance électronique comme une modalité d'aménagement des peines. La promiscuité dans l'espace carcéral est un facteur de détérioration de la santé des détenus qui se trouvent nombreux dans une même cellule. L'entassement des détenus est un facteur de propagation des maladies virales et d'aggravation des épidémies. L'Organisation mondiale contre la torture soutient que 50,6% des prévenus en Côte d'Ivoire disent avoir développé des problèmes de santé à cause de l'incarcération.
Voici donc ces propos préliminaires qui font l'économie du contexte dans lequel s'inscrit cette table ronde virtuelle. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole aux représentants, successivement aux représentants de la Konrad Adenauer Stiftung et à M. Gilles Yabi, directeur de Wati, pour leur mot de bienvenue. M. Sédou Kébé, représentant de la Konrad Adenauer, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sir Ousmane. Merci, Mariam. Je ne sais pas si vous m'entendez. Désolé pour tout à l'heure, j'avais un petit souci avec le son. Vous m'entendez? Oui, très bien, Sédou. OK, super. Merci beaucoup et encore désolé pour ce retard. Comme Ousmane vient de le dire, comme vous le savez, nous sommes en train de débuter une série de tables rondes virtuelles avec Wati. Et là, je suis très content d'être ici aujourd'hui au nom de la Fondation Konrad Adenauer, principalement du programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer. Monsieur le directeur exécutif de Wati, Monsieur Gilles, Monsieur le doyen des juges, Monsieur Émile, je suis très content de vous revoir et de pouvoir continuer les débats déjà entamés. Je vous salue depuis le Burkina. Également à Madame la présidente de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme et à Maître Gilles. Je pense que le débat a été déjà introduit à Cotonou lorsque Monsieur l'avocat a parlé des conditions avec des anecdotes carcérales au niveau du Togo. On est autant plus heureux d'être ici aujourd'hui avec vous parce que ça fait la continuité de notre projet sur l'état de droit qui est un site internet géré par M. Ousmane Kane au niveau de Wati et que je coordonnais moi-même au niveau de la Fondation Konrad Adenauer. Comme vous le savez, le bureau programme état de droit a été créé récemment, il y a moins de 2 ans, mais on a commencé à faire des activités au Sénégal et les activités virtuelles avec Wati dont les spécialités se tournent autour. Avant d'abord d'aborder notre sujet du jour, permettez-moi de saluer cette collaboration qui a fait bientôt 2 ans, dont nous sommes très satisfaits et ce webinaire constitue le début d'une série de 3 webinaires autres que nous allons faire et voir autres sur les questions qui poussent la vie des Africains et des Africains de l'Ouest en général. Quand on parle aujourd'hui de l'état de droit, principalement des droits humains, cette table ronde nous met au devant de cette scène très importante que constituent les conditions de nos prisons et le respect des droits humains dans ces lieux carcéraux. Comme vous le savez, chers participants, la question carcérale suscite beaucoup de débats à travers le monde, en Afrique en particulier. Ça me renvoie un petit peu au cas des pays même un peu plus développés, comme le cas de la France qui a été condamnée par l'Union européenne selon les conditions de détention. Et là, on se dit, oh mon Dieu, et de notre côté, qu'est-ce que cela peut poser? Les personnes détenues sont déjà privées de liberté et pour la plupart ne connaissent pas leurs droits. Si les gens au niveau ne connaissent pas leurs droits en liberté, on se dit qu'une fois dans ces conditions, comment pourront-ils les défendre? Combien de fois nous entendons rapporter des cas spécifiques des atteintes aux droits humains? Les lieux de détention ne peuvent plus permettre une vie carcérale respectant la dignité des détenus. La quasi-totalité de nos prisons en Afrique de l'Ouest ne respecte pas le nombre. Il y a le surpeuplement, on pense à la prison de Dakar, de Rebus, on pense également à la maison d'arrêt d'Abidjan. Ces 2 maisons, lieux de détention, constituent des conditions d'atteinte grave aux droits fondamentaux des détenus. Dans ce cas, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des avancées ou des défis qui sont en train de se faire? On pense plutôt, si on parle du Sénégal, à aller plus vers des solutions qui existent sur d'autres sites. Par exemple, les bracelets à Abidjan, il y a eu des expériences, il y a eu des conditions pour pousser les gens à essayer de garder un peu leur liberté dans ces conditions. Ce surpeuplement aussi est source de plusieurs maladies. Si nous lisons, par exemple, le rapport de l'Amnesty International, des cas de tuberculose et de VIH ont été constatés dans de nombreux centres de détention, que ce soit au Sénégal, partout en Afrique de l'Ouest. Et ces questions suscitent et méritent d'être rappelées. Maintenant, la grande question est qui parle, qui rappelle. Malgré les engagements des différents États à prendre en charge cette question et quelques résultats, l'allègement des mandats de dépôt au Sénégal et en Côte d'Ivoire, la question demeure. Toutefois, nous sommes heureux et très satisfaits de pouvoir parler de cette question avec des grands spécialistes.
Je pense au doyen des Isis, M. Zerbo. Je pense à la présidente de la Ligue des femmes au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette prise en considération du genre dans ces genres d'événements est très, très, très importante. On parle des conditions élémentaires de détention des femmes dans ces prisons qui ne sont pas respectées. À la suite de ce débat, on pense que ça pourra être le début de solution et aussi un éveil de conscience pour nos décideurs et aussi pour la société civile. Je vous souhaite de très bons travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seydou Kébé. À présent, sans transition, je vais donner la parole à M. Juliabi, directeur exécutif de Wati, pour son mot de bienvenue. M. Juliabi, vous avez la parole. Merci, merci Ousmane, merci à toutes et à tous. Merci en particulier à Saïdou Kébé qui représente la Fondation Konrad Adenauer et spécifiquement le programme État de droit en Afrique francophone. C'est un immense plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver autour d'un sujet d'intérêt général. C'est la mission de Wati d'alimenter le débat public sur toutes les questions que nous considérons importantes pour le bien-être des populations ouest-africaines et des populations africaines par extension. Et je vais être très rapide parce que je crois que le plus important, c'est d'écouter nos invités, nos panélistes que je remercie vivement d'avoir accepté justement notre invitation. Je vais simplement dire que ce sujet des conditions de détention est extrêmement important. Il touche aux droits humains, il touche à la dignité de la personne humaine. Je voudrais, en fait, à l'entame de cet échange, avoir une pensée pour toutes les personnes qui ne vivent pas de manière théorique cette question, mais qui aujourd'hui vivent dans des conditions inhumaines, dans des lieux de détention. Je voudrais rappeler que cela concerne des personnes qui ont été condamnées, jugées et condamnées, qui sont coupables des faits qui leur ont été reprochés. Mais je dois dire aussi que beaucoup d'autres personnes se retrouvent dans des prisons dans les pays de la région, nous le savons, parfois sans être jugés, parfois en étant jugés, mais en faisant l'objet d'une justice elle-même fondamentalement injuste, notamment des détenus pour des raisons politiques. Nous le savons bien dans quasiment tous les pays de la région. Je crois que ce dont nous discutons n'est pas à nouveau une question théorique. Nous parlons de gens qui vivent avec en cohabitation avec des rats, des gens qui vivent avec aucun accès à des toilettes dignes de ce nom, des gens qui vivent dans une promiscuité absolument forcément conductrice de différentes maladies. Donc, on parle vraiment à nouveau de questions très concrètes qui touchent à notre dignité humaine et à la manière dont nos sociétés considèrent les êtres humains. Je voudrais aussi dire que c'est un sujet qui est évidemment connexe. Il y a beaucoup d'autres sujets liés au fonctionnement du secteur de la justice. Aujourd'hui, dans la région ouest africaine, dans le Sahel et au-delà, on a énormément de frustration des populations liées au fonctionnement de la justice ou à la perception de dysfonctionnements majeurs dans nos systèmes de justice. La question des conditions dans les lieux de détention n'est qu'un élément dans ces dysfonctionnements importants. Et je voudrais terminer aussi en disant qu'on entend souvent, je le disais la même chose il y a quelques semaines par rapport à une discussion sur les mouvements citoyens, il y a parfois des critiques très faciles, parfois même un peu de condescendance à l'égard des défenseurs des droits humains. Et je crois qu'il est important que nous nous rappelons que nous sommes tous vulnérables lorsqu'on vit dans des régions, dans des pays où il n'y a pas d'état de droit, où on peut se retrouver toutes et toutes un jour en prison pour de mauvaises raisons, simplement lorsqu'on exprime des opinions politiques, par exemple. Et donc, il est important que nous respections ces défenseurs et ces défenseuses des droits humains. Et je suis ravi d'avoir aujourd'hui, dans cette discussion, des personnalités qui animent le débat public et qui sont actrices, disons, de la protection des droits humains dans plusieurs pays de la région. Donc, je vais m'arrêter là et je nous souhaite de fructueux échanges. Je vous remercie à nouveau pour votre intérêt pour cette discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles Yabi. À présent, je vais passer la parole à ma collègue Marem Cissé pour la suite. Elle va modérer la suite. Marem, vous avez la parole. Merci beaucoup Ousmane, merci à Seydou et à Gilles pour leur mot de bienvenue. Donc cet après-midi, pour parler des conditions et du respect des droits humains dans les liens de détention en Afrique de l'Ouest, nous avons comme invité
Madame Megan Lorey-Sedai. Et en 2019, elle a été lauréate du Jana Award, qui est une distinction qui récompense les jeunes pour leurs actions sociales ou humanitaires, et lauréate en 2021 de la première promotion du programme Young Leader Women in Africa. Et Madame Megan Lorey-Sedai Boro est manager en relations clients et médias à l'African Media Agency. Elle a été invitée en sa qualité de militante féministe engagée dans la lutte contre les violences domestiques, sexuelles et sexistes à l'égard des femmes, et elle est actuellement la présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Bienvenue à vous, Madame Boro, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également comme invité Monsieur Émile Zerbo, qui est magistrat au Burkina Faso et anciennement doyen des juges d'instruction respectivement au tribunal de grande instance de Ouagadougou puis de Bobo-Dioulasso. Actuellement, Monsieur Émile Zerbo est procureur du Faso auprès du pôle judiciaire spécialisé antiterroriste. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Ensuite, nous avons Maître Gilles Kokou Fafadi Anani, qui est avocat au barreau de Togo et membre du conseil de l'ordre dont il est le secrétaire. Maître Gilles Anani est le représentant du barreau au sein de la commission de la mise en place de l'aide juridictionnelle et de la commission nationale OADA. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et comme quatrième intervenant, nous avons M. Kokou Ignace Patrick Sossou, qui est journaliste d'investigation béninois, formé à l'École internationale de détectives de stratégie de Cotonou. Il est également membre du réseau d'enquêteurs West Africa Leads et de la cellule Norbert Zengo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et nous saluons également la présence de M. Joseph Bagnefeuille, qui est le secrétaire général de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, également membre du comité de veille à l'Observatoire national des lieux de privation du Sénégal. Donc, pour le début, nous allons avoir trois tours de table, 45 minutes de discussion avec nos intervenants avant de relayer les questions des participants. Pour le premier tour de table, je vais adresser ma question à Maître Jibokou Fafadi Anani. Comme nos différents intervenants l'ont rappelé dans leurs propos introductifs, lorsqu'on parle de conditions de détention, le premier constat que l'on peut faire est celui d'une surpopulation carcérale. Le nombre de personnes qui sont détenues dans nos prisons dépasse largement la capacité d'accueil des centres de détention. Et c'est une situation qui est commune à plusieurs pays de la région. Selon vous, Maître, quelles seraient les pratiques judiciaires ou les dispositions qu'on pourrait identifier en la matière qui ne favorise pas la baisse de la population carcérale? Merci beaucoup, madame. Je commencerai d'abord par remercier rapidement Wati, le programme pour la promotion de l'état de droit, et Konrad Adenauer d'avoir bien voulu nous associer à ce webinaire aujourd'hui qui parle d'un thème qui nous importe tous, comme l'a dit monsieur Yabi tout à l'heure, les conditions de respect des droits humains dans les lieux de détention. Effectivement, nous sommes tous, comme le dirait quelqu'un, des prisonniers à l'air libre. Et si malheureusement il vous arrive une affaire dans laquelle le système judiciaire se met en branle et que vous vous retrouvez en prison, vous voyez vraiment que les conditions carcérales ne sont pas des meilleures, en tout cas en ce qui concerne la majorité de nos pays en Afrique de l'Ouest. Et justement, comme vous l'avez dit, madame, quelles sont les pratiques judiciaires qui favorise justement cette augmentation de la population carcérale, ou si on veut le prendre dans l'autre sens, qui ne favorise pas la baisse de la population carcérale. Comme nous le savons tous, moi c'est ce que je déplore, c'est ma façon de voir la chose. Il y a d'abord, à mon avis, une pratique judiciaire, une question de mentalité qui nécessite qu'on puisse faire un travail là-dessus en ce qui concerne essentiellement les magistrats. Je pense que le magistrat Zerbo viendra après moi pour voir. Et moi, j'ai comme l'impression que souvent, il y a une tendance systématique d'abord au niveau du parquet à ce que nous appelons les mandats de dépôt. Voilà quelqu'un qui fait l'objet d'une procédure, déjà sur une soit transmise souvent, ou une plainte, et qui est déférée au niveau du parquet. Et ce que j'ai eu à remarquer souvent, c'est qu'il y a cette habitude, entre guillemets légère, d'émettre systématiquement souvent des mandats de dépôt. C'est-à-dire qu'on vous amène de la police ou de la gendarmerie, le procureur qui vous reçoit n'a peut-être pas souvent le temps matériel de vous écouter. Souvent, la partie civile n'est pas là quand vous défaire.
Eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un papier là, rose, que nous appelons ici, un papier rose, et on vous dépose systématiquement. Alors, les gens sont déposés, il y a une certaine lenteur en ce qui concerne le traitement d'un dossier. Parce que lorsque le procureur vous dépose d'abord, eh bien, il faudrait qu'on puisse reprendre votre procès verbal qui vous a conduit là, qu'on puisse faire une réunion, qu'on puisse l'affecter à un parquetier, que ce parquetier l'étudie, qu'il vous appelle pour vous écouter. Et tout cela prend du temps. Malheureusement, pour certaines personnes, on se rend compte que c'est des affaires civiles et qu'ils n'avaient pas besoin de venir au niveau du parquet ou que c'est une affaire qu'on aurait pu traiter le jour même où la personne était malheureusement déférée. Mais elle a déjà passé un bon bout de temps là-bas. Ou bien, on estime que ce dossier doit aller à l'instruction. Et pour moi, c'est encore déjà un problème, alors que peut-être c'est un dossier qui ne nécessite pas forcément d'aller chez le juge d'instruction. Le temps que ce dossier parte du parquet pour aller chez le juge d'instructeur, que le juge d'instruction prenne ce dossier, parce qu'il y a des tas de dossiers qui sont dans son cabinet avant que le vote n'arrive, qu'il puisse le lire, qu'il vous programme pour votre audition, qu'il programme peut-être la partie civile qui a porté plainte, qu'on fasse une confrontation pour certains dossiers qui, des fois, n'en veillent pas la peine. Eh bien, vous avez un bon bout de temps qui s'est déjà passé pour un bon nombre de personnes, parce que Dieu seul sait combien de personnes sont déférées tous les jours au parquet et qui sont déposées à la prison civile. Et vous avez là-bas, effectivement, une certaine lenteur administrative qui fait qu'on vous dira que les dossiers s'accumulent. Les dossiers s'accumulent, c'est donc des gens qui sont en détention préventive, des fois pour rien. Et ça augmente la population carcérale. Ça contribue à la surpopulation des gens qui sont déjà en prison. Et cette mentalité de voir systématiquement, à mon avis, déposer les gens, et fait qu'on met des gens, des personnes, des pauvres innocents aussi, des fois, pourquoi pas, dans le lot de personnes qui se retrouvent malheureusement dans cette prison où nous savons que les conditions sont très difficiles. Et même le réflexe de pouvoir mettre même des gens en liberté, ne serait-ce qu'avec ou sans caution, elle est très difficile à être acceptée par les magistrats dans la plupart de nos contrées, pour des raisons que j'ignore, peut-être que les uns et les autres pourront s'expliquer là-dessus, mais toujours est-il, à mon avis, que cette manière de traiter les dossiers, là, fait que nous avons une population carcérale qui ne baisse pas, mais qui augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est le premier point de vue que je pourrais faire sur ce tour de table et je pourrais toujours revenir éventuellement. Merci beaucoup à vous, maître. Et je passe la parole à M. Zerbeau. De votre perspective et selon votre expérience, quelles sont les pratiques, selon vous, qui ne favorisent pas la baisse de la population carcérale? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de prendre la parole après l'excellente intervention de Maître Gilles, que je suis ravi de retrouver cet après-midi. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des organisateurs, le think tank Wati et la fondation Konrad Adenauer, particulièrement M. Kébé, que je suis heureux de revoir. Et merci à vous parce que vous me permettez d'échanger sur un thème très important, sur les conditions et le respect des droits humains dans les lieux de détention. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais lorsque j'essayais de me connecter, j'ai reçu un rapport du directeur de la maison d'arrêt de Ouagadougou qui est intitulé « Surpopulation carcérale de la Macro ». Donc, ça tombe bien. Pour répondre à votre question, il faut dire que je n'ai pas identifié spécifiquement des dispositions de la loi pénale qui favorisent la surpopulation carcérale dans le sens de la question. Parce qu'en général, les lois sont bien faites, elles sont bien élaborées, mais ce sont les moyens matériels et humains pour les appliquer qui font défaut et qui entraînent des pratiques malheureuses. Cependant, et je dis cependant, ici au Burkina Faso, en 2018, nous avons adopté un nouveau code pénal qui a de manière générale relevé le quantum des peines, au point où même le déni
les délits sont punis de peines allant jusqu'à 10 ans. En conséquence, voilà, vous pouvez tirer la conséquence aisément. Depuis un moment, depuis donc 2018, on se retrouve pendant plus longtemps en prison au Burkina Faso, même quand on commet un délit pas très grave. Mais comme l'a dit Maître Gilles, en réalité, ce sont les pratiques judiciaires qui créent beaucoup de surpopulation carcérale. Et j'ai aimé le mot qu'il a utilisé, systématique, parce qu'il faut le reconnaître aux grandes dames des justiciables qu'il y a des mandats de dépôt systématiques dans nos juridictions, que ce soit les mandats de dépôt des magistrats du parquet comme des juges d'instruction. Il y a des condamnations à des peines de prison fermes, systématiques de la part des juges au siège. Il y a des refus systématiques de liberté provisoire par des magistrats du parquet comme des magistrats des juges d'instruction. Il y a aussi le défaut de contrôle des cabinets d'instruction par les présidents de chambres d'instruction. C'est peut-être un peu technique, mais tout cela sont des pratiques judiciaires que j'ai pu identifier comme des facteurs qui ne favorisent pas la baisse de la population carcérale. À cela, il faut ajouter la rareté des assises criminelles, parce que quand des faits criminels sont commis et instruits même jusqu'à être clôturés, pour des questions de meurtre, le juge se retrouve souvent en difficulté. Il refuse une liberté provisoire des personnes mises en cause en attendant qu'il y ait des assises criminelles qui sont rarement organisées. Et tout cela fait partie de ce que je peux appeler, qualifier de pratique judiciaire malheureuse qui favorise la surpopulation carcérale. Voilà ce que je peux vous dire d'ores et déjà, et en attendant qu'on avance. Merci. Merci à vous, Monsieur Émile Zerbo. On va prendre les éléments de réponse de notre dernière intervenante pour cette question, Madame Megan Lorraine, sur la même question. Les pratiques que vous avez identifiées qui favorisent un peu la surpopulation carcérale. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, merci à Wati pour l'opportunité. Merci aussi à la Fondation Konrad Adenauer. Et mes prédécesseurs l'ont déjà dit, chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on va parler des mêmes réalités, mais aussi de la lenteur administrative au niveau même des détentions préventives. Il va savoir qu'ici en Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale, on a eu beaucoup de problèmes au niveau des prisons en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les prisons ont été cassées, des prisonniers se sont évadés. Puis après la stabilité politique, on remarque encore que ces prisons-là sont en surpopulation. Donc, où se trouve le vrai problème? Et à mon niveau, j'ai pu identifier, comme j'ai dit, la lenteur administrative, au niveau aussi des détentions préventives, mais aussi au niveau des finances des détenus, parce que c'est assez coûteux. Déjà, d'avoir des personnes qui vont défendre certains cas pour des personnes même innocentes ou pas, c'est assez coûteux. Donc, pour ces personnes-là, les dossiers sont assez expéditifs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un qui porte votre cas devant les juges pour vous défendre, vous serez automatiquement ramené en prison. Et ça fait qu'avec plus de cas de ce genre-là, on vient trouver cette surpopulation qui est malheureusement identique dans les pays de la sous-région. Merci beaucoup. Alors, surpopulation identique malheureusement dans les pays de la région, et on se rend compte que pour les différents pays, les causes se ressemblent, c'est les mêmes réalités avec souvent des lenteurs au niveau administratif qui favorisent cela. Pour le deuxième tour de table, nous allons enchaîner avec M. Koku Ignace Patrick qui va nous faire un retour d'expérience sur un séjour carcéral, pour nous parler un peu des principaux droits humains en souffrance qu'il aurait pu constater, qui sont généralement apportés par des détenus dans différentes prisons. Les,
les principaux droits humains qui sont en souffrance dans les milieux carcéraux dont moi j'ai connaissance et que j'ai même vécu l'expérience, c'est notamment le droit à la santé et à un environnement sain. Vous savez, les droits humains impliquent le droit à la vie. Et le droit à la vie est très fortement lié au droit à la santé et à un environnement sain. Et vous savez, à la prison civile de Cotonou, il y a un adage qui dit « La pire des choses qui peut arriver en prison, c'est de tomber malade. » Parce que quand vous tombez malade, vous êtes laissé pour compte. Moi, j'ai été malade. Tu arrives à l'infirmerie, il n'y a personne pour s'occuper de toi, quoi. C'est-à-dire, tu peux mourir d'un mal banal, en fait. C'est vrai, il y a des infirmiers qui sont là. Il y a une unité médicale. Mais ce n'est pas comme on le voit dans les films où quand tu as un problème, tu vas à l'infirmerie, on te prend en charge. De toute façon, c'est que tu es sans moyens, tu es privé de tes libertés, tu es privé de la liberté, tu es privé de tes moyens. Et on veille sur toi. Non, mais à la prison civile de Cotonou, ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire, moi je me rappelle, un soir j'avais eu la toux. Je ne sais même pas à quoi vraiment cette toux est liée parce qu'il n'y a pas vraiment eu un diagnostic poussé. Et pendant toute la nuit, j'ai toussé. Pendant toute la nuit, je n'ai pratiquement pas dormi. Ce qui fait qu'au petit matin, j'étais très faible. Donc, dès qu'ils sont venus ouvrir les portes, mes co-détenus m'ont transporté à l'infirmerie. Donc, je suis arrivé à l'infirmerie dans les 8 heures. Mais jusqu'à 10 heures, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Et j'avais déjà quoi? J'avais déjà perdu toutes mes énergies toute la nuit parce que j'avais vraiment poussé. C'était vraiment un mal profond. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a une ONG au Bénin qui envoie des médecins faire des tours dans des prison pour soigner des détenus qui sont dans le besoin et tout. Et c'est un médecin de l'ONG qui est venu me sauver la mise. Si ce n'était pas lui, peut-être que voilà, je ne serais pas en train de parler avec vous dans cette table ronde virtuelle. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, toujours lié au droit à la santé, moi, je me rappelle, moi, j'étais en prison quand l'affaire de COVID est arrivée et il y avait eu des mesures du gouvernement qui annonçait la protection des personnes qui sont incarcérées, etc. etc. Et le gouvernement même avait annoncé à l'époque un test diagnostique sur la population carcérale parce que ça faisait partie des populations cibles voilà, qu'il faut protéger à toutes les gens. Donc, du coup, le gouvernement avait acquis à l'époque, un certain nombre de kits de tests COVID, et ils avaient annoncé de tester quoi, les médecins, les hommes en uniforme, les détenus. Donc, nous, on était là, on s'attendait à ce qu'un matin, on nous annonce que voilà, vous allez passer le test, vous voir si éventuellement quelqu'un n'a pas chopé le virus parmi vous, et voilà, on applique de façon stricte les gestes barrières, etc. Mais contrairement à ça, on était là quand un matin, les responsables de la prison ont débarqué pour nous dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on vous met sous traitement de la chloroquine. Chaque matin et chaque soir, vous devez prendre de la chloroquine. C'est sans débat. Si quelqu'un refuse de prendre la chloroquine, on le met en isolement. Alors, cette décision qui nous est tombée dessus n'était accompagnée d'aucune mesure. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont allergiques à la chloroquine. Donc, l'administration pénitentiaire n'a même pas pris le temps de chercher à savoir qui peut prendre la chloroquine, qui peut ne pas prendre la chloroquine. Et les détenus n'ont même pas de fiche de carnet de santé pour qu'on puisse savoir qui est allergique à quoi. Voilà, on nous impose la chloroquine. Et les détenus qui ont refusé de prendre ont été mis en isolement. Vous imaginez? Et voilà, les détenus ont pris parce qu'ils ne veulent pas aller en isolement. En isolement, les conditions de détention sont plus corsées. Donc, des gens étaient obligés de prendre
et ils ont eu des allergies. Je connais des détenus qui ont développé des malaises après avoir pris cette chloroquine. Et c'est après que des cas d'allergie ont été constatés que la mesure a été assouplie. Donc, certains ont été dispensés. Je connais par exemple un détenu qui a dû appeler son médecin personnel pour venir expliquer aux responsables pénitentiaires qu'il ne pourra pas prendre de la chloroquine avant qu'on ne le laisse tranquille. Mais pendant ce temps, on l'a mis en isolement. Vous voyez? Et ça, par exemple, c'est une violation flagrante de droit à la vie, de la vie. Ça porte atteinte à la dignité humaine. Comment on peut imposer? Comment dirais-je? C'est vrai que dans le fond, on peut dire que dans le fond, la mesure, c'est de protéger la population carcérale contre ce virus-là qui faisait des ravages à l'époque. Mais il y a quand même le droit à l'information. On a quand même besoin de savoir quelles sont les mesures qui nous concernent, surtout quand ça a rapport avec notre santé, et quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour ceux-là qui ont des allergies et qui ne peuvent pas prendre, par exemple, ce comprimé. Alors, l'autre exemple que je voudrais soulever et qui est lié, comment on appelle, à la surpopulation carcérale dont parlait tout à l'heure les précédents intervenants, c'est les conditions de vie. Moi, je me rappelle que quand je suis allé en détention, on m'a mis dans un bâtiment qui fait quoi, environ 100 mètres carrés, si je ne m'abuse, mais on était plus de 150 détenus. Et donc, il fallait venir voir comment on dormait dans ces conditions. La prosmicité, était, je ne sais pas s'il y a un degré de qualification, mais vraiment, on dormait dans des conditions super difficiles. Et avec ce nombre dans ce bâtiment, il y avait une seule toilette. Et donc, il y a un rang fou pour aller faire ses besoins. Et c'est compliqué. Et en journée, il y a, comment dirais-je, sur la cour de la prison, une toilette de quoi, 6 à 8 portes pour près de plus de 1000 détenus. Et ce qui fait que les toilettes, voilà, ça se remplit très rapidement. Moi, je me rappelle, durant mon séjour carcéral, à plusieurs reprises, les toilettes étaient bondées, étaient remplies. On débordait et voilà, il n'y avait pas de mesure, on mâchait. Excusez-moi pour ceux qui sont un peu sensibles, ce que je décris, c'est vraiment horrible, c'est vraiment affreux. Et je me rappelle, dans ces conditions, il y avait eu la pluie, donc l'eau de la pluie s'est mélangée à ce qu'on appelle aux excréments qui ont débordé des toilettes. Et on était resté dans ça 2-3 jours avant que l'administration pénitentiaire envoie, et comment on appelle, les vidangeurs vider la fosse. Alors, ces conditions, en fait, c'est complètement inhumain et ça porte vraiment atteinte à la dignité humaine. C'est vrai que la prison, c'est pas, on ne va pas en prison pour aller se reposer, on ne va pas en prison pour aller faire la belle vie. Ça, on est d'accord, on en a conscience. Il y a quand même un minimum dont le détenu a droit. Et ce minimum n'est pas respecté. En tout cas, la prison civile de Cotonou, où moi j'ai séjourné pendant 6 mois, ce n'est pas du tout respecté. Alors, si vous me permettez très rapidement, je vais finir mon intervention par l'autre type de droit humain qui est en souffrance dans les milieux carcéraux, c'est le droit à la sûreté. Et vous savez, le droit à la sûreté, c'est le droit de ne pas être détenu arbitrairement. Je pense que les précédents intervenants ont soulevé brièvement la question. Les gens vont en prison pour rien du tout. La présomption d'innocence n'est toujours pas respectée. Et à la prison civile de Cotonou, il y a, comment on l'appelle, il y a une blague qui se raconte souvent. On dit que à la justice béninoise, ce qui prime, c'est la présomption de culpabilité. C'est que quand on te présente à un procureur, ce n'est pas que tu as la présomption d'innocence, mais c'est qu'a priori, tu es coupable. Et quand on t'acquitte, c'est que voilà, ça, c'est le miracle, en fait. Et ça, c'est très récurrent. Moi, je connais, par exemple, des détenus. Ça, c'est ce cas, c'est vraiment anecdotique. Et un monsieur qui a été jeté en prison parce qu'il a fait pipi.
au bord de la voie publique. Et il a fait quoi? 3 semaines de détention. Alors, on était restés dans le même bâtiment. Et un jour, on discutait, il m'a expliqué ce qui l'a amené en prison. Et je tombais des nues, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait aller en prison juste en faisant pipi au bord de la voie. Je sais que c'était quand même une infraction, mais je ne savais pas qu'il y avait une peine de prison pour ça. Et donc, moi, j'avais demandé à voir la loi qui porte sur cette infraction-là. Donc, j'ai demandé à mes collègues journalistes qui sont pas en détention comme moi de m'apporter la loi. C'était le code de l'hygiène. Et donc, effectivement, ils m'ont apporté le code de l'hygiène. Et quand j'ai lu le code de l'hygiène, qu'est-ce que je constate? Le délai maximal d'emprisonnement pour cette infraction était de 15 jours. Mais le monsieur a passé 21 jours de détention. Vous voyez? Et ça, je me dis, sur quelle base on le met en prison pour 21 jours alors que la loi dit que le délai maximal est de 15 jours? Et ce qui est même marrant dans l'histoire, le jour où moi, j'ai demandé à mes collègues de m'apporter une copie de la loi, moi, quand j'étais en prison, mon affaire, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'affaire pour laquelle moi j'étais en prison, j'étais presque surveillé. Toutes les visites, tous ceux qui venaient me rendre visite étaient, qu'on appelle, filtrés, etc., etc. Donc, le jour où on m'apportait la loi, il y avait le gardien-chef de la prison qui a surpris celui qui m'a apporté la loi pour dire, ah, qu'est-ce que tu as amené? Je peux voir le document. Donc, il a regardé le document que celui qui m'a rendu visite a apporté. Donc, il a dit, ah, c'est un document intéressant, est-ce qu'il peut faire une copie? Donc, il a demandé à faire une copie de la loi. Et après la visite, mon collègue est parti, il m'a laissé la copie de la loi. Mais les jours qui ont suivi, ça n'a pas fait 72 heures, le monsieur a été libéré. C'est-à-dire, dans les 72 heures, le monsieur a été libéré. Et le jour où on annonçait au monsieur qu'il allait être libéré, il me posait la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai fait. Il dit, non, j'ai absolument rien fait, j'ai juste essayé de voir qu'est-ce que la loi dit véritablement concernant ton cas. Et bon, que le gardien-chef a surpris, comment on appelle, mon collègue là qui m'a apporté la loi, il a fait une copie de la loi. Je ne sais pas si ça a une incidence sur son affaire, mais je ne sais vraiment pas. Mais le monsieur a été libéré. Sur quelle base il a été libéré, je n'en sais rien. Sur son mandat de dépôt, il n'y avait pas de condamnation. Il était en détention provisoire. Il était en détention provisoire, il n'a pas été condamné. Il a fait pipi sur la voie. La police l'a arrêté, on l'a présenté au procureur qui l'a envoyé en prison. Il a fait 3 semaines. Et voilà quoi, il n'a pas été condamné, il est là, c'est en détention provisoire, sans savoir à quelle sauce il sera mangé et tout. Et après cet incident, il a été libéré. Donc voilà un peu ces genres de cas qui sont récurrents dans nos prisons. En tout cas, la prison civile de Cotonou, où moi j'ai séjourné, ces genres de cas sont légions, les cas de détention arbitraire sont légions. Et il faut vraiment que quelque chose soit fait pour que cette situation-là puisse changer, en fait. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Sossou, pour ce témoignage. Nous sommes en tout cas très heureux de vous avoir cet après-midi pour pouvoir faire ce partage-là avec nous. Sans transition, je vais donner la parole à Madame Lorraine Sedai, qui pourrait nous parler un peu des principaux droits humains qu'elle aurait pu constater qu'ils ne sont pas respectés dans les lieux de détention, notamment avec les organisations des femmes avec lesquelles elle travaille. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques qui ont été rapportés par les personnes avec lesquelles vous travaillez ou que vous aurez vous-même constaté? Monsieur Sossou, on a parlé du droit à la santé. On va dire que pour moi qui suis sur les cas de droit des femmes, le droit à la santé est le droit qui est le plus violé dans le milieu carcéral. Déjà pour les femmes qui sont atteintes de maladies particulières, je vais prendre les femmes qui sont dans l'endométriose, les soins qui doivent être prodigués à ces femmes-là ne sont pas adaptés ou ne sont pas prodigués. On va parler aussi de l'accès à l'hygiène menstruelle au niveau des serviettes périodiques. On voit que ces femmes-là n'en ont pas accès. Et avec des associations ici, on fait souvent des tournées dans les prisons pour distribuer encore les serviettes hygiéniques, ce qui devait être un droit essentiel pour ces femmes-là. Parce que venir en prison, oui, c'est vrai qu'on est accusé de quelque chose, mais le corps, il continue son avancée, on va dire, physiologique.
Et pour ces femmes-là, il n'y a pas l'accès à ces serviettes périodiques. Et pour parler d'accès aux serviettes périodiques, il faut parler aussi d'accès aussi à de l'eau. Comment est-ce que le système de l'eau est géré dans les prisons pour que ces femmes puissent avoir à de l'eau, pour pouvoir se changer, pour pouvoir prendre soin d'elles? Il n'y en a pas. Aussi au niveau des femmes qui tombent enceintes dans le milieu carcéral ou même qui rentrent en prison enceintes, est-ce que le suivi au niveau de la prise en charge prénatale est assuré? Pas toujours. Donc, ce sont ces cas-là qui reviennent très souvent au niveau des droits des femmes qui sont violées dans le milieu carcéral et que nous, on essaie à notre même niveau de pouvoir aider ces femmes-là parce que c'est assez compliqué. Ici, en Côte d'Ivoire, on m'a dit déjà que pour l'individu lambda, pour les jeunes filles, se payer un paquet de serviettes hygiéniques qui est à 500 francs, à 600 francs, ce n'est pas déjà évident. Vous comprenez qu'en prison, c'est pire encore. Donc, il y a ce problème de précarité menstruelle, il y a ce problème de santé maternelle, il y a aussi le problème aussi même de l'accès à la contraception parce que ce que je disais, le corps humain, il continue de son avancée. Donc, dans ces prisons-là, est-ce qu'il y a au moins ces besoins basiques-là pour assurer ces droits-là aux femmes? Il n'y en a vraiment pas. Et s'il y en a, ils ne sont pas vraiment optimaux. Donc, c'est-à-dire que chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est ce problème-là qu'au niveau des femmes, nous avons pu noter que nous essayons d'y remédier. Merci beaucoup. Alors, droit à la santé, droit à la sûreté dont parlait M. Sossou tout à l'heure. Maître Gilles, est-ce que de votre point de vue, il y a d'autres droits humains fondamentaux qui ne sont pas respectés dans les prisons ou bien ceux que vous aurez constatés? Merci beaucoup. Je pense que l'intervention de M. Sossou à l'instant exprime déjà beaucoup tout ce qu'on constate effectivement parce que on a comme l'impression, comme je disais tantôt, que c'est une question de mentalité, aussi bien au niveau des régisseurs des prisons et des chefs de prison. On a comme l'impression qu'il y a une certaine présomption de culpabilité qui pèse sur toutes les personnes qui sont déférées en prison, qu'elles soient en détention préventive ou condamnées, et qui font que ces personnes sont souvent soumises à des mauvais traitements, à du mépris ou pas du tout à de la considération. On ne les considère pas toujours comme des êtres humains. Et c'est ce qui fait que lorsque, par exemple, vous avez des gens qui sont malades, qui sont souffrants, l'administration pénitentiaire tarde vraiment à s'occuper de ces personnes-là. Alors que tout être humain a droit à la santé. Pour qu'on vous bouge même de votre cellule à l'infirmerie qui se trouverait peut-être dans l'enceinte de la prison, c'est souvent difficile. Il faut négocier, il faut supplier. Si vous n'avez pas des parents qui viennent, si vous n'avez pas un avocat qui vous accompagne, c'est difficile. Et lorsque le cas même est plus grave, pour qu'on puisse vous évacuer à l'hôpital ou ce que nous appelons le cabanon réservé aux personnes emprisonnées, même le cas de Laval avant, je ne sais pas tellement ça, mais pour qu'on puisse même vous évacuer au cabanon, ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment faire des pieds et des mains. Vous avez des gens malheureusement qui décèdent dans leur cellule. Tout simplement parce que le mal dont elle souffre n'a pas été considéré comme quelque chose de très grave. On a peut-être banalisé et cette personne n'a pas pu bénéficier de ce droit à la santé. On parlait également, M. Sossou l'a dit, que le cadre, le milieu même dans lequel les gens vivent en prison, alors qu'on a quand même le droit à vivre dans un milieu acceptable. Vous avez, comme il l'a dit, des cellules qui sont très étroites, qui sont mal entretenues avec de la crasse. Vous avez des WC qui ne sont pas du tout entretenus avec des odeurs. Et tout ça fait que les gens tombent encore malades en prison. Lorsque vous visitez certains de vos clients des fois qui vous montrent leur peau, vous voyez vraiment que ce sont des gens qui souffrent et terriblement. Et le droit à la communication, quand même, est quelque chose de très important qui est souvent aussi violé en prison. Pourquoi? Parce que les gens doivent recevoir la visite de leurs parents. Alors, souvent, les parents sont soumis à des raquettes. Il faut payer 200, il faut payer 500 pour pouvoir venir rendre visite à votre parent qui est en prison. Lorsque vous arrivez, eux-mêmes, ils appellent le crieur, celui qui est là au portail, qui doit relayer votre présence à votre parent qui est au fin fond de la prison là-bas. Il va vous prendre de l'argent. Alors, lorsque
les gens viennent pour rencontrer leurs parents. Ils sont là debout avec leurs visiteurs en face, séparés par une grille. Et pour parler, il faut hurler pratiquement. Et à peine vous avez fait 2 minutes, 3 minutes, vous avez le garde là, pénitentiaire, qui est là et qui veut mettre fin à la conversation. Vous êtes obligé de l'amadouer, de l'adoucir, de lui donner quelque chose pour qu'on puisse vous laisser, alors que c'est quand même un droit qu'ils ont, ces prisonniers, à recevoir de la visite. C'est un droit qu'ils ont, ces prisonniers, à pouvoir entrer en communication. Et comme le disait M. Soussou également à l'instant, quelqu'un qui était là et qui ne savait pas que la peine pour laquelle il est là est largement dépassée, c'est tout simplement parce que l'accès à l'avocat n'est pas aussi facile que ça. Alors que si seulement cette personne avait su qu'il avait le droit quand même d'avoir accès à un avocat, qu'il avait le droit de pouvoir consulter quelqu'un, on aurait pu relever ce cas-là sans que ce monsieur ne soit obligé de passer plus de temps qu'il ne fait. Le droit de se nourrir quand même, d'avoir droit à une alimentation décente. Je ne vous dirai pas de venir voir ce qu'on leur prépare, en tout cas à la prison civile de Lomé. S'il vous arrive de regarder ce qu'on prépare, même comme pâte ou comme sauce, je me suis toujours dit, mais est-ce qu'un être humain peut manger ça? C'est un fait, c'est indécent ce qu'on leur donne comme à manger. Il ne s'agit pas de leur servir du caviar. Mais on pense quand même qu'il faut faire quelque chose pour améliorer quand même la nourriture. Et un autre point qui m'intéresse aussi et qui concerne essentiellement les enfants ou les femmes, vous avez malheureusement dans certains cas des femmes qui sont en prison avec des enfants, des nouveau-nés, qui sont là peut-être 2, 3, 4 mois ou 5 mois et qui sont là avec leur enfant. Là, c'est le droit même de l'enfant qui est brimé. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un petit enfant naisse sous prétexte que sa maman est en prison, en détention préventive ou condamnée, et qu'on puisse laisser cet enfant-là avec sa mère en prison. Voilà donc autant d'éléments, autant de droits que l'on retrouve violés et qui font que cette situation, lorsqu'on fait le tour attriste vraiment, et pour lesquels il faudrait penser qu'on puisse faire quelque chose et qu'on puisse y remédier. Voilà, je vais m'arrêter pour là pour le moment. Merci beaucoup, maître. Alors, nous espérons à travers cette discussion que nous sommes en train d'avoir, avoir justement les pistes qui pourraient nous permettre d'y remédier. Je passe la parole maintenant à M. Émile Zerbeau. M. Zerbeau, qu'est-ce que vous inspire le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure de M. Soussou par rapport aux principaux droits humains qui ne sont pas respectés dans les lieux de détention? Merci. J'ai suivi avec attention le récit de monsieur dont le nom m'échappe. Je pense que nos réalités sont les mêmes, que ce soit à Cotonou, à Lomé comme à Ouagadougou. Ce n'est pas toujours évident, mais malheureusement, tant qu'on n'a pas fait un tour à la maison d'arrêt en tant que détenu ou en tant que visiteur simple, on n'arrive pas toujours à comprendre les réalités que vivent les détenus. Je pense que mes prédécesseurs ont cité l'ensemble des points que je voulais citer, c'est-à-dire le droit à l'accès à un conseil, à un avocat, parce qu'en dehors des cas où la loi le rend obligatoire, le ministère de l'avocat n'est pas toujours accessible aux autres détenus. Au Burkina Faso, par exemple, pour les mineurs, c'est une obligation. Depuis 2019, avec l'adoption du nouveau code de procédure pénale, dès que mis en cause devant le procureur ou quelqu'un qui est présenté devant le juge d'instruction demande à être assisté par un avocat, vous êtes obligé de suspendre votre audition et attendre un minimum de 2 heures. Mais même là, ce n'est pas suffisant parce que souvent, son avocat n'est pas à Ouagadougou. Et comme les cabinets ne sont pas organisés, souvent les avocats travaillent en singleton, c'est difficile sur le champ de trouver quelqu'un pour le remplacer. Il y a le droit à une alimentation correcte, comme Maître l'a dit,
quand vous voyez ce qui est servi comme repas, vous vous demandez vraiment si on le sert à des êtres humains. Mais souvent, c'est quelque chose de fait, c'est quelque chose qui est fait de façon expresse, c'est sciemment fait. Lorsqu'il y a une surpopulation carcérale et que les gens se rendent compte qu'il y a risque de mutinerie, eh bien, voilà, ils diminuent la ration pour affaiblir les corps. Mais malheureusement, il faut trouver toujours une solution à cela. Les gens ont droit à une alimentation saine et équilibrée. Je ne vais pas revenir sur le droit à la santé parce que vous avez parlé, mes prédécesseurs en ont parlé, à suffisance. J'aimerais juste ajouter le droit à un procès dans un délai raisonnable. Les gens sont détenus des années sans procès parce que les assises, par exemple, ne sont pas organisées. C'est un droit qui est très important et qu'il ne faut pas oublier. Et je voudrais rebondir sur le droit à la communication que Maître a soulevé et vous donner un exemple que j'ai vécu à Bobo-Dioulasso où une après-midi, un parent de mis en examen qui est passé me voir parce qu'il voulait communiquer avec son parent, son frère détenu. Il a reçu le permis de communiquer, mais quand il s'est rendu à la maison d'arrêt, on a hélé le nom de son parent qui est sorti, qui a été brutalisé devant lui. Alors, heureusement pour lui, la maison d'arrêt n'était pas loin du palais de justice. Il est arrivé dans mon cabinet me disant, mais voilà, mon frère a été brutalisé, je ne sais pas pour quelle raison. Sur le champ, j'ai demandé au procureur de m'accompagner. Nous sommes allés faire le constat. Sans poser de questions à l'individu, je lui ai demandé de s'asseoir sur une chaise. Il était incapable de s'asseoir parce qu'il avait subi des coups qui ne lui permettaient pas de s'asseoir. Nous avons pu par la suite identifier les agents responsables qui sont passés devant le tribunal, mais c'est juste pour vous dire que pour des questions de communication, on peut arriver à des faits, d'atteindre même à la santé de l'individu. Voilà ce que je voulais faire comme ajout. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette réponse. Et c'est ce que disait Gilles tout à l'heure dans son mot d'ouverture. On parle de conditions de détention, mais c'est une discussion qui nous permet un peu d'identifier d'autres problèmes qui sont notamment liés à l'information. Lorsqu'on sait que le principe, c'est que nul n'est censé ignorer la loi, les judiciables sont toujours au courant des dispositions sur la loi. Et par rapport à la formation même des agents qui sont dans les milieux carcéraux, est-ce qu'un problème de communication peut être une raison pour en arriver à cette situation extrême? Donc, ça pose d'autres questions et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions-là. Je rappelle aux participants qui nous suivent sur Zoom qu'ils ont la possibilité de poser des questions en utilisant le box de questions-réponses. Et ceux qui nous suivent sur Facebook également pour poser des questions en commentaire et notre équipe se chargera de relayer les questions aux intervenants. Donc, je vais donner la parole à mon collègue Ousmane Mané qui va modérer le dernier tour de table. Merci. Merci beaucoup, Marem. Alors, donc, c'est la troisième question pour le troisième tour de table. Quelles sont les difficultés liées à l'application des mesures alternatives à la détention préventive et à l'exécution aménagée des peines en dehors du milieu carcéral? Je m'explique pour ceux qui nous écoutent. Il y a des possibilités d'une mesure alternative à la détention préventive, que la personne, n'est-ce pas, puisse répondre tout le temps à la justice sans pour autant être en prison. Il y a aussi la possibilité qu'une personne condamnée puisse exécuter tranquillement sa peine en dehors du milieu carcéral. Il y a par exemple les peines de travaux d'intérêt général. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous demandons quelles sont les difficultés liées à l'application des mesures alternatives à la détention préventive et à l'exécution aménagée des peines en dehors du milieu carcéral. L'autre question incidente, avec nos deux hommes de justice, avec du haut de leur expérience, on peut se permettre, si vous voulez, de leur demander quelles sont les orientations à donner à la politique pénale
ou les réformes à mener pour venir à bout de la surpopulation carcérale. Monsieur Émile Zerbo, nous allons vous redonner la parole pour intervenir par rapport à cette question principale et à la question incidente. Merci, Monsieur Kahn. Je vais aller vite, je vais essayer d'énumérer rapidement les difficultés que j'ai pu identifier. Je pense que si les magistrats, la plupart, décernent des mandats de dépôt systématiquement, que ce soit au parquet ou à l'instruction, l'une des raisons, c'est que les personnes qu'on leur présente n'ont pas la plupart du temps des adresses fixes. Donc, ça pose immédiatement un problème de représentation pour la suite de la procédure. À côté de cela, il y a la pression de l'opinion qui favorise les condamnations à des peines au lieu, par exemple, de les assortir du sursis. Dans nos sociétés aujourd'hui, certaines victimes ne comprennent pas le sens, par exemple, d'une condamnation avec sursis et immédiatement pensent à de l'injustice. À côté de cela, et vous l'avez bien relevé tout à l'heure, il y a les peines alternatives comme le travail d'intérêt général qui existe au Burkina Faso également dans une loi, mais nous sommes confrontés à une difficulté de la mise en œuvre de cette peine alternative. Par exemple, la loi la loi 07-2004, par exemple, qui la prévoit, dit que seule l'administration publique, par exemple, ou les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des personnes condamnées à des peines de travail d'intérêt général. Alors que ces mêmes administrations, ces mêmes associations ne veulent pas recevoir des délinquants anti-CRIF dans leurs locaux. Donc, ça pose beaucoup de difficultés pour l'application de cette peine alternative. Il y a aussi comme difficulté une absence de politique réelle de réinsertion au sein des maisons d'arrêt. Le but n'est pas de vider les maisons d'arrêt. Encore faut-il que les personnes libérées bénéficient d'un encadrement de resocialisation pour ne pas récidiver. Je vais finir cette première question en citant l'insuffisance des centres spécialisés adoptés pour recevoir notamment des mineurs. Maintenant, face à ces difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles réformes envisager? Personnellement, je pense qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser la population au nom de laquelle la justice est rendue sur les mesures alternatives à l'emprisonnement d'une manière générale, avec sursis et en particulier, par exemple, le travail d'intérêt général, afin d'avoir leur adhésion. Parce que s'il n'y a pas d'adhésion, c'est les critiques faciles et les juges rapidement tombent sous le coup de ces critiques. Après cela, il faut former les magistrats sur ces mesures, il faut souvent le rappeler à ces magistrats. Il faut, en ce qui concerne le cas du Burkina, par exemple, relire la loi qui institue le travail d'intérêt général pour assouplir ces conditions. Il faut redynamiser dans nos maisons d'arrêt et de correction les commissions d'application des peines, parce que ces commissions existent, mais souvent il leur manque des moyens pour travailler, de sorte qu'elles ne sont pas efficaces pour lutter contre la surpopulation carcérale, parce que même quand une peine lourde est prononcée, à un moment donné, il y a des moyens d'aménager ces peines-là. Il faut, pour le cas du Burkina et peut-être pour les pays où ça n'existe pas, instituer des peines avec des mises à l'épreuve, par exemple, et étendre la médiation pénale à des infractions moins graves que peuvent commettre des majeurs. Parce que ça existe, par exemple, en ce qui concerne les infractions commises par des mineurs, mais pas des majeurs. Et il faut essayer de créer et redynamiser
des centres pénitentiaires où on peut apprendre, par exemple, l'agriculture, la menuiserie, etc. Voici un peu les propositions que j'avais à faire. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Émile Zerbo. Je vais donner la parole à Maître Gilles Kokou Fafadi Anani pour intervenir sur la même question. Maître, vous avez la parole. Oui, merci. Effectivement, je pense que le gros a été dit à l'instant par Monsieur le magistrat Zerbo. Moi, j'ai toujours eu cette conviction qu'on évolue dans un milieu où la tendance va plus à la répression. Plus à la répression, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas dans les situations togolaises, nous n'avons pas des mesures alternatives qui aient été prévues à la détention préventive dans nos textes. Le dernier code pénal qui a été voté en 2015, revu en 2016, est même devenu encore plus répressif. Il n'y a pas non plus d'exécution aménagée pour les peines en milieu carcéral en tant que tel. C'est vrai que nous avons une disposition très sommaire qui parle d'intérêt général et qui permet que pour une peine correctionnelle menée à travailler pour l'intérêt public pendant un certain temps, mais le magistrat n'a pas cette propension à l'appliquer. Et le magistrat ne l'a même pas dans sa manière de faire ou de voir les choses. C'est souvent les condamnations qui pleuvent, et c'est vrai, des fois avec sursis, mais n'empêche que les sursis ne prennent pas la bonne partie de la condamnation, et vous avez donc des gens qui se retrouvent en prison pour un certain temps. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, comme le disait à l'instant M. Zerbo justement, c'est une question de sensibilisation. Donc, on sensibilise, c'est vrai, la population pour que les gens puissent comprendre qu'il y a des actes à ne pas faire pour éviter d'aller en prison, mais il faut aussi que le milieu judiciaire, les magistrats instructeurs, les magistrats parquetiers puissent aussi être sensibilisés sur certaines choses. Parce que moi, j'ai cette conviction qu'il y a certaines infractions pour lesquelles on n'a pas systématiquement besoin de déposer des gens en prison. Et que vous, en tant que magistrat, vous pouvez, vous devez expliquer, même à la partie civile, que sur tel point, on peut faire une réparation et puis après, on laissera la personne. Si éventuellement récidive, on verra. Mais lorsque vous subissez systématiquement la pression de la population ou des plaignants ou des parties civiles, on fait des fois le jeu de ces personnes-là. Vous avez des dossiers dans lesquels on tient absolument à ce que la personne aille en prison, alors que le différent qui les oppose ne nécessite pas forcément que cette personne est en prison, parce que le problème doit être réglé au fond. Alors, vous comprenez avec nous donc que cette nécessité de pouvoir faire cette sensibilisation au niveau des magistrats, mais aussi au niveau des décideurs politiques, parce qu'il faut une politique pénale pour qu'on sache concrètement vers quoi il faut tendre pour éviter la surpopulation carcérale. On le disait à l'instant, il faudrait que les politiques comprennent que c'est une nécessité au niveau du ministère de la Justice que les assises puissent se tenir régulièrement. Dans les tests, vous avez les cours d'assises chez nous qui doivent se tenir deux fois par an. Très difficilement, on les tient une fois par an. Et Dieu seul sait combien de dossiers sont en attente d'être programmés pour passer aux assises. Vous avez donc des gens qui sont en détention préventive depuis des fois 10 ans, pour c'est vrai des crimes qui ont été commis et qui nécessitent de passer un jugement et qui sont là. Moi, pour la dernière fois, par hasard, j'ai rencontré une dame qui s'est battue vraiment là, qui s'est vraiment battue jusqu'à la dernière seconde pour que le dossier de son frère
en détention depuis 7, 8 ans, 9 ans, puisse être programmé pour les dernières assises de la Cour d'appel de Lomé. Alors que ce dossier avait été clôturé depuis très longtemps, le juge d'instruction l'avait fini depuis très longtemps et transféré au parquet. On ne savait pas pourquoi ce dossier n'était pas programmé. Il faut également donc que l'on puisse penser à mettre dans les dispositions légales des peines alternatives, concrètes, bien formalisées, bien libellées, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas. On n'en a pas, ce qui fait que le magistrat est obligé, en se rabattant sur la loi, de n'aller que vers des condamnations. Et lorsque je parlais de décideurs politiques, il faut qu'il y ait donc cette politique pénale pour qu'on puisse construire des prisons quand même qui sont décentes, dont l'environnement puisse vraiment accueillir les pensionnaires dans ces prisons, que l'on puisse au besoin agrandir ces infrastructures qui existent. Parce que dans certains pays, ce sont des prisons qui datent de la période coloniale qui sont continuées à être exploitées jusqu'aujourd'hui. Et lorsque vous rentrez dedans, vous sentez vraiment que c'est la misère. Il faut qu'on puisse quand même faire comprendre aux décideurs politiques qu'il faut qu'on puisse passer à une autre étape. Je pense donc que ce sont des éléments importants, à mon avis, qu'il faudrait mettre en avant afin qu'on puisse donc trouver, sortir de ce problème qui devient très récurrent. Merci. Merci beaucoup. Juste une question hein, pour relancer nos deux spécialistes, nos deux hommes de justice. Juste une question pour vous relancer. Je sais qu'au Sénégal, depuis le 29 juin 2020, il y a une loi qui a été adoptée qui introduit l'assignation à résidence avec la surveillance électronique comme une alternative à la détention provisoire et le placement sous surveillance électronique comme une modalité d'aménagement des peines. Est-ce que dans vos pays respectifs, est-ce que ce dispositif est envisageable ou bien il serait difficile d'envisager ce dispositif? Parce qu'au Sénégal, on l'a adopté. Il semblerait que ce dispositif a été adopté et devait être même expérimenté sur le défunt président tchadien Hissène Habré. Donc, j'aimerais savoir à votre niveau, est-ce que ce dispositif est envisageable ou bien c'est des problèmes techniques qui se posent? La parole à qui va la prendre, Zerbo ou Monsieur Anani. Voilà. Moi, je dirais que au Togo, en tout cas aujourd'hui, cela n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas pas à ma connaissance, parce que s'il faut introduire dans la législation le port du bracelet pour des personnes qui peuvent faire l'objet de liberté provisoire, donc c'est le ministère de la Justice qui donc doit commencer par y travailler. Il faudrait donc que la loi soit faite en projet, qu'on l'envoie à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que cela est envisagé pour le moment au niveau de nos autorités. Mais c'est quand même quelque chose qui devrait pouvoir faciliter la résolution de ce problème de population carcérale. Et si la vision n'y est pas encore au niveau des décideurs politiques, comme je disais, c'est un problème. Et on espère qu'on y arrivera. Et au Togo, ça pourra venir un jour, mais pour le moment, ça n'y est pas encore. Zerbo? Oui, merci, M. Kahn. Je voudrais dire que le port du bracelet n'est pas spécifié dans le code de procédure pénale du Burkina Faso, le nouveau code qui a été adopté en 2019. Mais ce code-là, quand même, a prévu et a donné beaucoup plus de points de contrôle judiciaire que l'ancien code. En réalité, l'ancien code pénal ne prévoyait même pas le contrôle judiciaire. C'est dans la pratique que nous avons institué le contrôle judiciaire jusqu'à ce qu'en 2019, le nouveau code de procédure pénale prévoit un certain nombre de contrôles judiciaires. Par exemple, au lieu d'une liberté sous caution après un temps de détention, le nouveau code, par exemple, permet à quelqu'un qui va être mis en cause de dire, bon, écoutez, moi, j'aimerais verser tel montant afin d'éviter d'aller, par exemple, en détention. Donc, il y a eu un aménagement, mais spécifiquement sur le port du bracelet, ça n'a pas été le cas dans le nouveau code. Merci. Merci beaucoup. À présent, nous allons passer à
aux séries de sessions réponses aux questions des participants. Il y a des participants qui ont posé pas mal de questions aux panélistes. Et la première question qui a été recensée est adressée directement à M. Ignace Soussou. La personne demande à savoir est-ce que en prison vous avez pu identifier des détenus qui auraient un talent à faire valoir et qui auraient pu leur apporter quelque chose. Autrement dit, est-ce qu'il serait possible de développer dans les prisons une cellule de production qui est gérée par les détenus? Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Ignace Soussou? Alors, oui, à la prison civile de Cotonou, il y a des détenus qui ont des compétences. Je vais même dire, il y a plein d'unités de production dans l'enceinte de la prison. Il y a des couturiers, il y a des menuisiers, il y a des soudeurs, il y a des artisans qui fabriquent, par exemple, des sacs en plastique. Voilà. Il y a plein de compétences dans l'enceinte carcérale et ces gens-là ont des, comment on appelle, il y a des, je ne sais pas si je vais appeler ça hangar ou boutique, mais il y a quand même des endroits qui ont été construits pour eux et ils vont là-bas dans la journée pour faire leurs activités et il me semble qu'ils versent qu'on appelle des droits à l'administration pénitentiaire. Je n'ai vraiment pas cherché à savoir combien ils versent et sur quelle périodicité. Oui, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des compétences dans le milieu carcéral et qui vendent même leur production en dehors de la prison. Parce que moi, je me rappelle que quand on avait les visites, on faisait sortir les sacs en plastique fabriqués par les détenus. Donc, quelqu'un venait les récupérer pour aller les vendre en dehors de la prison. Donc, oui, ces choses-là, ça existe à la prison civile de Cotonou. Maintenant, comment c'est organisé, je ne sais vraiment pas, je n'ai vraiment pas cherché à savoir, mais ça existe. Merci, merci beaucoup. L'autre question nous vient du Burkina Faso, c'est posé par Serigne Mbotch depuis Ouagadougou, qui demande un peu, qui pose la question du droit au travail en milieu carcéral. Est-ce que dans le milieu carcéral, ça rejoint un peu la même question, est-ce que dans le milieu carcéral, les détenus sont préparés à exercer un travail une fois en dehors? Comme vous l'avez eu à évoquer, M. Zerbo, il ne s'agit pas de le mettre dehors pour encore qu'il va commettre une infraction, voler par exemple, revenir. Est-ce qu'on l'a préparé à pouvoir, une fois sorti, exercer un travail? Est-ce qu'un dispositif pareil, par exemple, existe en milieu carcéral au Burkina Faso? M. Zerbo. Oui, merci. Je pense qu'à un moment donné, dans les maisons d'arrêt et de correction, le gouvernement a essayé de mettre en place quelques ateliers de menuisierie, de soudure. Mais cela n'a pas connu une avancée, de sorte qu'aujourd'hui, ça reste à un niveau pas très développé. Il y a beaucoup de talents dans les prisons, il y a même des musiciens dans les prisons, mais ce qui est beaucoup plus développé au Burkina Faso, ce sont les centres spécialisés pour mineurs. Il y a par exemple pour la région du centre, un centre qui existe à Baporo. C'est un centre où beaucoup de détenus vont apprendre, par exemple, l'agriculture. Mais la plupart du temps, c'est les mineurs qu'on envoie dans ces centres, parce que, ou bien les majeurs qui ont réussi à s'amender quand même. Donc, ces centres-là existent beaucoup plus pour les mineurs, mais pas pour les majeurs. Pour les majeurs, c'est à revoir, c'est à retravailler et c'est à renforcer. Merci, merci. Donc, toujours, c'est pratiquement la même question qui a été posée. On va entendre la version de Maître Anani.
Est-ce qu'en milieu carcéral togolais, il y a un dispositif mis en place pour permettre aux détenus d'apprendre des métiers, d'exercer un travail qui puisse les permettre, une fois sortis, de pouvoir continuer à exercer ces métiers au lieu, par exemple, de récidiver? Alors, effectivement, sur cette question, je dirais que du côté des femmes, des prisons de femmes, vous verrez qu'il y a un atelier de couture doté de plusieurs machines à coudre qui sont là. Et là, vous verrez les femmes qui s'y exercent, qui s'y attellent. Mais malheureusement, du côté des hommes, vous n'avez aucune initiative de ce genre qui puisse être proposée aux pensionnaires afin qu'à la sortie de leur prison, ils puissent avoir quelque chose à faire. Et je pense que cette politique de réinsertion, il faudrait également qu'on puisse la mettre dans la politique carcérale générale afin qu'on puisse comprendre qu'il y a des récidives effectivement qui reviennent, tout simplement parce qu'ils vous diront qu'ils se sentent mieux dedans que dehors. Il y a de petits trafics qui se font et qui sont juteux pour eux. Alors que si une fois en prison, on leur a fait comprendre que c'était juste pour s'amender, et pour ceux qui n'ont rien sous la main, il y a une politique de réinsertion réelle, je pense que cela sera un plus qui pourra contribuer à la réduction de la population carcérale. Si pour les femmes, il y a déjà quelque chose, il faudrait que du côté des hommes, on puisse aussi penser à mettre en place une politique de ce genre-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, principalement, c'est la question qui a été posée par les participants. Alors, sans plus tarder, comme ça, on va gagner du temps. Nous allons aller vers le mot de conclusion de chacun des invités. Bien, M. Kahn, j'aimerais réitérer mes remerciements aux organisateurs de cette table ronde qui nous permet d'échanger sur un thème assez important. Comme je le disais tantôt, quelques minutes déjà, j'ai reçu un courrier me rappelant qu'il y a une surpopulation carcérale dans la prison de Ouagadougou, bon, l'une des prisons de Ouagadougou, l'autre, j'en parle pas. Donc, c'est vraiment une table ronde qui nous permet, nous-mêmes, comme l'a dit Maître, de nous sensibiliser nous-mêmes déjà en tant qu'acteurs, parce que immédiatement, je pense qu'il va falloir prendre des mesures à mon niveau pour que l'alerte qui m'a été donnée par la maison d'arrêt puisse avoir une solution. L'autre point, c'est vraiment plaider pour que les structures que vous êtes puissent approcher les hommes politiques pour que dans nos États, on puisse mettre en place de véritables politiques de gestion des maisons d'arrêt et de réinsertion des détenus. C'est quelque chose qui va aider tout le monde, comme l'a dit Maître au départ. On ne sait jamais si un jour on se retrouvera pour une raison ou une autre dans une maison d'arrêt. Donc, c'est comme la maison commune dont il faut prendre soin. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Maître Gilles Koku Fafadi Anani pour votre dernier mot. A dit ce qui est anecdote, c'est vrai, j'en avais partagé une à Cotonou il n'y a pas très longtemps. Je disais que c'était arrivé à un de nos anciens gardes des Sceaux à qui son conseil technique avait soumis un projet de réhabilitation de la prison civile de Lomé. Et il avait répondu que la prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles et ce projet est donc resté dans les tiroirs. Et malheureusement pour lui, des années plus tard, il a eu Maya partir avec la justice et il s'est retrouvé en prison. Et lorsque son ancien collaborateur est quand même allé lui rendre visite, il se plaignait des conditions carcérales difficiles de la prison. Et ce dernier lui a dit, Monsieur le ministre, vous vous rappelez que je vous avais soumis, il y a de cela plusieurs années, un projet, et vous avez répondu que la prison n'est pas un hôtel à 5 étoiles. Les conditions carcérales concernent tout le monde, quelle que soit votre position sociale dans la société, quel que soit ce que vous occupez comme rôle, comme tâche, comme position, comme travail aujourd'hui. Et c'est une question de vision et c'est une question de volonté politique.
il faudrait qu'on puisse amener le politique, les décideurs politiques à comprendre que les prisons ne sont quand même pas des mouroirs pour des personnes qui, à un certain moment, ont fauté, ou même pour des innocents qui se retrouvent là-bas. Et qu'il faudrait que le minimum puisse exister dans ces endroits, qu'on ne se sente pas comme en enfer sur terre, et que les magistrats aussi comprennent à chaque fois de faire l'effort sur mer, parce que c'est vrai, ce n'est pas facile, lorsque vous gérez tout un tas de dossiers, de voir dans les dossiers, de savoir qui placer un mandat de dépôt ou pas, et que l'on puisse adopter des tests, des lois qui seront en adéquation avec ce qu'un homme doit pouvoir vivre par rapport aux droits auxquels il expert. Donc, ce serait donc mon mot de fin, en espérant vivement que l'on comprenne que sur ce point, il y a du travail à faire et que ça nous concerne tous. Merci. Merci, merci beaucoup. Je viens juste de recueillir dans les contributions un certain Montesquieu Hunhui, qui, parlant même de la défaillance du milieu carcéral, parle de l'absence d'aide-soignants. Et il a évoqué un aspect important. Il a parlé de l'absence de psychologues conseillers dans les prisons. Voilà, je pense que c'est des choses à prendre en compte. Donc, je voulais partager cette contribution. Alors, je suis Montesquieu Hunhui, de l'ONG Changement Social Bénin. Donc, du 2 au 5 août 2021, nous avons fait un monitoring dans 10 établissements pénitentiaires sur les 11 que compte le Bénin. Et de notre descente sur le terrain, nous avons quand même pu relever un certain nombre de choses à corriger malgré les efforts faits par le gouvernement du Bénin. Il faut déjà dire que la politique bénin du gouvernement, de façon constante ces dernières années, a quand même produit, disons, des mesures alternatives à la détention. Et quand on convoque également le code pénal, on y note aussi des peines alternatives à l'emprisonnement qui sont prévues, toutes choses devant contribuer en réalité à la réduction de la surpopulation carcérale. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les tests sont prévus, mais les dispositions ou mesures institutionnelles à mettre en place font défaut. Ça, c'est un premier volet de mon intervention. D'autre côté, la surpopulation carcérale, elle est également due, en réalité, au non-recours, bien entendu, aux mesures alternatives à la détention et aux peines alternatives à l'emprisonnement. On a pu également observer sur le terrain qu'il y a la surpopulation carcérale partout. Il y a, disons, une défaillance dans la dotation d'aides-soignants et de psychologues. Par endroits, nous avons remarqué également la présence de l'infirmerie dans la cour de détention, alors qu'en réalité, l'infirmerie doit demeurer en dehors de la cour de détention. L'accessibilité à l'information sur les droits dans le milieu carcéral reste également un défi qu'on a relevé sur le terrain. Il faut dire que de tous les établissements que nous avons parcourus, nous n'avons pas noté la prévision de quartiers ou de bâtiments entièrement dédiés aux détenus mineurs de sexe féminin. Nous n'en avons pas noté de notre tournée sur le territoire national. Il faut dire que particulièrement à la maison d'arrêt de Cotonou, en situation pluvieuse, cette maison d'arrêt est confrontée à d'énormes problèmes jusqu'au point où l'eau envahit même le bureau du personnel pénitentiaire. Du coup, c'est une situation vraiment qui va créer non seulement des conditions de vie vraiment déplorable tant pour les personnes privées de liberté que pour le personnel pénitentiaire également. Voilà un peu les éléments sur lesquels je voudrais revenir pour montrer également que la question de l'accès à l'avocat dans les zones du centre et du nord reste problématique, parce que ce qu'il y a là, c'est que le barreau au Bénin est concentré beaucoup plus au sud. Donc, il y a un problème d'accès aux avocats dans les zones du centre et du nord du pays. Et en outre, l'aide juridictionnelle est également problématique parce qu'il y a des personnes privées de liberté que nous avons rencontrées, avec lesquelles nous avons échangé, et qui ont dit qu'ils n'ont pas bénéficié d'un avocat jusqu'à ce qu'ils soient condamnés.
ils n'ont pas bénéficié d'avocats. Il y en a qui sont encore dans le cours du procès, mais ils n'ont pas l'assistance d'un avocat à leur côté. Toute chose qui peut contribuer en réalité, disons, à des abus relativement à leurs droits durant la période de l'instruction préparatoire, par exemple. Donc, ce sont en fait des éléments sur lesquels je voudrais insister. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Monsieur Sossou, nous vous donnons la parole pour votre mot de la fin. Monsieur Ignace Sossou. Oui, je vous voulais. Mon micro était fermé. Oui. Alors, merci beaucoup. Vous savez, je pense que les autres intervenants l'ont dit, la question des conditions de vie en milieu carcéral concerne tout le monde. Parce que si vous connaissez un peu mon histoire, vous allez comprendre que pour un rien du tout, moi, je me suis retrouvé en prison. Pas parce que j'ai tué quelqu'un, pas parce que j'ai volé, juste parce que j'ai fait mon travail de journaliste et donc du coup ça m'a amené en prison. Donc du coup la prison c'est un endroit qui guette tout le monde, quoi. Tout le monde peut se retrouver en prison du jour au lendemain et comme l'a si bien dit l'un des intervenants, nous sommes tous des prisonniers ambulants et personne ne sait ni le jour ni l'heure où on pourrait se retrouver par le hasard des choses dans ces milieux-là. Et les conditions de vie en prison met fondamentalement en question la dignité humaine. Parce que la dignité humaine aussi, c'est fortement lié au respect des droits fondamentaux. Et quand ces droits-là sont brimés, vous vous posez la question de savoir si vraiment vous êtes un être humain. Et donc, du coup, moi, je pense que le débat que Wati a lancé avec la collaboration de la Fondation Conrad Ndandaye va contribuer vraiment à changer les choses pour que, pas que l'objectif c'est de faire des prisons, des hôtels 5 étoiles, mais quand même que le minimum soit le minimum des droits fondamentaux soit respecté pour les détenus. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette table habituelle. Je voudrais remercier les intervenants, je voudrais remercier les animateurs aussi et tous ceux qui, du nom de l'eau, de près ou de loin participer à ces débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous voilà presque à la fin de cette table ronde. À présent, je vais remettre la parole à Seydou Kebe, le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, pour son mot de clôture, avant le mot de clôture de Wati. Seydou Kebe, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Ousmane. Merci beaucoup, cher Mariam, pour cette excellente modération. Merci également à notamment au doyen des juges pour son excellent travail. Là, ça rentre aussi dans la continuité. Cette anecdote que l'avocat vient de citer à la fin nous avait émerveillé lorsqu'il l'a dit au niveau de. D'Ibène. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes tous des prisonniers ambulants, mais ça rentre aussi le fait de prendre en charge nos prisons dans le cadre de la dignité humaine, au-delà du droit même. On peut dire que les choses peuvent venir après, mais c'est une question de dignité, surtout si on sait que les conditions donnent souvent naissance à certaines maladies. Prenez le cas, par exemple, de la prison centrale de Dakar à Argos. On trouve des cas de tuberculose à un niveau inexplicable, en fait, des conditions très difficiles, même s'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Il y a aussi l'avocat qui vient de citer l'exemple de ce qui se passe à Lomé avec des prisonniers qui décèdent dans des cellules. C'est des choses inacceptables. Encore à la fin, le vous venez de parler du plaidoyer que doivent porter les organisations, que ce soit Wati, que ce soit la Fondation Adenauer avec le Bureau d'État de droit, que ce soit d'autres. Je pense que c'est une question qui concerne tout le monde. Nous avons tous vu des personnes qui ont occupé de très hautes fonctions et qui se retrouvent en prison. À la fin de leur
mandat ou à la fin de la fonction qu'il occupait. Et c'est des choses qui vont augmenter parce que maintenant, la société civile, les populations africaines demandent des comptes. Ce n'est plus comme ce que nous voulons qu'on nous rende des comptes. Au Sénégal, on a vu le fils d'un ancien président de la République être en prison. On a vu le maire de Dakar être en prison. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais. Je ne parle pas en fait de la procédure qui les a amenés en prison, mais juste pour dire que des hautes personnalités ont été en prison et que tout le monde peut en être. Et si je comprends bien, au-delà des limites, il y a eu des recommandations très fortes dont je retiens de redynamiser les conditions d'application des peines. Je pense que c'est une des solutions majeures pour désengorger nos prisons et pouvoir serrer la population carcérale. L'autre part aussi, Ousmane vient de le citer, c'est pourquoi pas ne pas essayer avec des peines alternatives, laisser la personne sous surveillance. Bien vrai, c'est difficile, mais il faut essayer, il faut appliquer si ça peut être source de solution. Ces peines alternatives qui sont appliquées ou qui existent dans la législation de certains pays, comme le Burkina, qui bon, disparaissent malheureusement petit à petit d'après l'avocat au niveau du Togo, sur le dernier code de procédure pénale. C'est encore un plaidoyer que les gens doivent porter au-delà. Il y a des problèmes qui ont été identifiés. Maintenant, dès que le problème est identifié, et d'autre part, on sait que Wati aujourd'hui a un aura extraordinaire, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou au-delà, et d'autres organisations qui travaillent dans le domaine. Je pense que si ça s'y met, les choses ne vont pas devenir, les prisons ne seront pas des hôtels, mais les conditions de dignité humaine seront respectées. C'est avec ces mots que je voudrais encore vous remercier tous les intervenants et Wati. Je vous remercie. Merci beaucoup, Seydou. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vais tenir le mot de clôture de Wati. Je voudrais remercier toutes et tous ceux et celles qui nous ont suivis tout au long de cet après-midi. Remercier particulièrement aussi nos panélistes qui ont accepté, je sais, malgré les fonctions chargées qu'ils ont, de venir nous animer, n'est-ce pas, cette table ronde. Donc, je voudrais, au nom de Wati, au nom de tous les think tanks qui évoluent dans ce domaine, vous remercier. Je voudrais aussi lancer un appel aux défenseurs et défenseuses des droits de l'homme qui nous suivent, en leur disant qu'aujourd'hui, nous pensons qu'à travers cette table ronde, vous avez des arguments, vous avez des pistes de solutions à pouvoir mettre sur la table des décideurs politiques. Parce que aussi, c'est ça la politique de Wati. L'idée de Wati, c'est un think tank citoyen, un think tank qui produit de la connaissance, qui produit du savoir, pour les mettre à la disposition des citoyens et que ceux-là pourront demain, une fois aux affaires, porter, n'est-ce pas, le combat. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez eu pas mal de propositions qui ont été faites. On a parlé de bracelet électronique comme alternative à la détention ou comme alternative à la condamnation. On a parlé de politique de réinsertion. Donc, ce sont là pas mal d'éléments qui pourraient être utilisés par les défenseurs et défenseuses des droits de l'homme pour amener à un changement heureux dans le cadre du milieu carcéral. Alors, on a l'habitude de dire que les paroles s'envolent, mais l'écriture reste. C'est la raison pour laquelle je vais dire à nos panélistes que le travail n'est pas encore terminé et je sais que vous êtes très chargés. Mais nous vous prions, dans la mesure du possible, de faire une petite contribution par écrit, comme ça, ce que vous avez pu dire ici pourra être publié dans le cadre du site de Wati. Parce qu'en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, nous avons créé un site internet dédié à l'état de droit en Afrique, consultable sur www.etatdedroitafrique.com. Et ce site, nous continuons tout le temps à l'alimenter après chaque webinaire à travers les contributions, n'est-ce pas, qui sont faites par les panélistes.
mais aussi à travers les entretiens, et ces webinaires parfois peuvent être considérés comme des entretiens. Donc, c'est à vous de voir la formule la plus souple. Est-ce que c'est une contribution qui serait beaucoup plus souple? S'il s'agit d'un entretien, donc vous avez vu déjà les questions, il suffit juste de répondre les questions par écrit dans un bout de papier et nous les soumettre, comme ça on pourra publier. Donc, ce sont là les quelques mots que j'avais à tenir pour le mot de la fin. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à toutes et à tous. J'écris à l'encre de mon âme, les yeux dans le désert. Je viens, messieurs, mesdames, avec respect et sans colère. La lumière n'est pas une flamme, demande aux solitaires, des mariés qui n'ont pas de femme.